Perché sur les hauteurs de Porquerolles, voilà l'un des derniers moulins provençaux encore fonctionnels. L'édifice, datant du XVIIIe siècle, n'était encore qu'une ruine il y a quelques années. Après sa reconstruction, le parc national de Porquerolles et des passionnés réunis en association ont décidé de redonner un sens au moulin du bonheur. On passait là en bas à 50 mètres, on ne savait pas qu'il y avait un moulin. Et pour cause, il était en ruine. Donc beaucoup de gens se sont investis, ont mis de l'argent, leur cœur, pour relever ce magnifique moulin. La moindre des choses, c'est que maintenant, nous, on l'entretienne. Et la moindre des choses, c'est qu'on aille jusqu'au bout de la démarche et qu'on produise de la farine. Produire de la farine et en faire du pain. Un boulanger de la région a eu vent de l'initiative et décidé d'abandonner son activité pour apporter son eau au moulin, ou plutôt son blé. La céréale n'est pas cultivée sur l'île. Pour lui, revenir à un mode de travail ancestral était une évidence. Et voilà, déjà c'est écrasé sur une meule de pierre, donc on va conserver tous les minéraux. On a un blé extraordinaire, bio bien sûr. Voilà, après maintenant sur mes épaules pèse le poids de sortir le meilleur pain possible, le pain du bonheur. Une tour cylindrique de 6 mètres de haut, 4 ailes de 12 mètres d'envergure, le moulin du bonheur possède des mensurations typiquement provençales. Ils sont devenus rares dans notre région après la généralisation de l'électricité. Le remettre en service n'a pas été une mince affaire. Je n'ai rencontré que des difficultés. Parce que, comme ils ont disparu très tôt, ces moulins, il a fallu réinventer, réimaginer ce que pouvait être un mécanisme du XVIIIe siècle, tout en bois, fait à la main. Ça a pris plus d'un an et demi au moins pour que j'arrive à faire un projet abouti. À partir du mois de juin, les touristes et les curieux pourront déguster les premiers pains 100% Porquerolais. Enfin, presque. D'ici quelques mois, un projet d'agroforesterie devrait voir le jour pour cultiver le blé sur l'île.